mes reines de YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo. Sûrement vous allez me dire, mais belle toi là, tu as carrément abandonné YouTube. C'est pas vrai. Ces derniers mois, j'étais occupée à organiser avec ma manager Rudy mon événement à Abidjan. Si vous l'ignorez, je vais vous dire, mais comme vous le savez, j'ai organisé plusieurs événements l'année passée, en fin d'année 2021. Et en début 2022, j'ai été dans plusieurs pays africains. J'ai été ici à Cotonou, où je suis actuellement. J'ai été à Lomé, au Togo. J'ai été à Brazzaville. J'ai été à Kinshasa, au Congo. J'ai été au Cameroun et au Gabon. Et je n'avais pas encore fait d'événement à Abidjan. Alors, je savais qu'il était temps d'aller à Abidjan faire mon événement, puisque la fin de l'année 2022 arrivait. Et Abidjan, si vous l'ignorez, a été mon dernier pays francophone. Ouh, un peu de vitamine D ce matin. Il y a un bon soleil à Cotonou. Comme je disais tantôt, Abidjan a été mon dernier pays francophone. L'année prochaine, je ferai beaucoup plus de masterclass dans les pays anglophones. Donc, mais je reviendrai dans les pays francophones, but not anytime soon. Assez de vitamine D. Hein. Attendez, je m'assois quelque part. Non, mais admirez ma robe. Ma robe. Je viens de me réveiller. Hein. Donc, s'il vous plaît, excusez les imperfections du visage. Là. Ça, c'est la beauté de la femme au réveil, hein. C'est ça. Pas de make-up, hein. Rien. Donc, j'étais tellement occupée. Vous avez vu des publicités passer ici et là sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et TikTok, Snapchat. J'étais un peu de partout. J'ai fait de la pub partout et l'événement a été un succès incroyable. Si je peux vous dire, de tous les événements que j'ai fait en Afrique, Abidjan a été l'événement le plus... en matière de... Comment dirais-je le français, punaise? En matière de succès, il a été le plus réussi, le plus beau, le plus incroyable, le plus wow. Donc, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram et Facebook, regarder les photos et les vidéos, c'était incroyable. Il y a eu des femmes qui sont venues des États-Unis, du Ghana, je parle de quoi? Des États-Unis, du Canada, de la France, du Congo, du Bénin, du Cameroun, seulement pour assister à la Power Class d'Abidjan. Seigneur, on peut impacter les femmes comme ça. Non. Et n'oubliez pas que j'ai une académie dont j'ai aussi eu beaucoup de reines. Attendez, j'arrête la musique là avant que YouTube ne me coupe. Hein. Il y a aussi eu beaucoup de reines qui sont venues de mon académie, puisque j'ai une académie dont les reines de l'académie sont venues. On a eu beaucoup de stands dont les personnes qui vendaient leurs produits, elles ont bien vendu. Punaise, c'était juste un regroupement de femmes fortes, de femmes incroyables, de femmes qui partagent, de femmes qui se donnent, de femmes qui s'élèvent, de femmes qui se réalisent. Pas de jalousie à deux balles, rien de tout cela. Vous voyez, c'est pour cette raison que j'ai YouTube, parce que vous savez, je vous aime, mais il y a trop de compétition, trop de jalousie, trop de ça. Baby, je préfère être où j'ai la paix intérieure. Laissez. Bon, bref, l'événement était bien, c'était trop bien. Donc, c'est la raison de mon absence ces derniers mois. Mais l'événement est fini. Alors, je vais vous montrer ma villa ici à Cotonou. Je suis actuellement à Cotonou. Après ça, je suis invitée au Nigeria. J'ai comment ça s'appelle le truc des mannequins et des films de Nigeria, quoi, je n'ai aucune idée. C'est ma manager qui a trouvé tout ça et elle m'a dit voilà, tu es invité au Nigeria, voici le cachet. J'ai dit bon, allons, il y a un cachet, il y a un billet d'avion, il y a l'hôtel, je suis invitée, let's go. Votre reine mère est en train de réaliser des trucs en privé, votre reine mère est en train de devenir that girl, you know. That girl, yes, I haven't even brushed my teeth yet. God, Jesus, I'm talking with bad breath, I'm sorry, girl. Qu'à cela ne tienne, je serai au Nigeria dans quelques jours, mais actuellement, je suis à Cotonou et ça se passe trop bien. Plus précisément, je me repose. J'ai une boutique ici, dont je vais faire une vente privée. Chaque trois mois, je voyage dans tous les pays où j'ai mes boutiques pour faire mes comptes, prendre mon argent, voir le stock, voir ce qu'il faut. C'est vrai que j'ai une personne qui le fait, mais moi-même, je préfère aussi être sur place parce que personne ne peut mieux compter ton argent que toi-même. Oh, so, baby, I gotta count my own cash. I gotta count my own money. That's just it. Mais bon, j'ai le teint qui glow avec Belle Secret. Pause publicitaire. N'oubliez pas que j'ai toujours ma société Belle Secret. C'est quoi avec vous? Donc, allez passer vos commandes. Les accessoires sont à 25% de réduction ce week-end. Tous les accessoires, que ce soit vapeur, faciale, tous les accessoires sont à 25% de réduction ce week-end. Comme je vous disais tantôt, je vais vous montrer la maison où je suis à Cotonou. Je pense que je vous avais montré la maison d'Abidjan sur les réseaux sociaux. J'ai jamais fait de vidéo sur YouTube, mais est-ce que j'avais pas eu le temps?
Non, je vais vous montrer la maison de Cotonou. Elle est grande. Je suis ici seulement avec ma manager. Elle est sortie, elle a allé faire certaines courses et tout. Elle arrive. Et on a une ménagère là aussi. Donc, voilà. Non, je vais vous montrer et vous allez voir. Peut-être vous viendrez. C'est pas une publicité, on m'a pas payé, hein. Alors, on va commencer par la cuisine. Let's go. La personne qui a construit la maison vit aux États-Unis, donc vous allez constater que c'est un style américain. Donc déjà ici, nous avons une très très belle cuisine avec ce truc que nous avons aux États-Unis, tout le monde. Voilà. Il y a aussi un joli backsplash et bien sûr, j'aime bien la cuisine. C'est le island. Mes filles, mes tatas, mes reines, mes cousines, mes bébés. La table si est longue. J'ai jamais vu une table aussi longue. C'est venu avec une salle à manger et tout. Donc, c'est mon foulard. Hein. Faut ignorer mon foulard. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est très grand, c'est très beau. Surtout si vous êtes en famille et tout. Il y a de belles lumières. Je vous montrerai plus tard. De ce côté, vous avez un salon qui fait face à la cuisine. Comme je vous disais, c'est un peu comme un open concept. Vous voyez, si vous êtes ici, vous avez la cuisine de l'autre côté. Donc, c'est vraiment, vraiment grand. Ici, c'est la porte centrale qui sort là. Là, c'est le dehors. Ici, il y a une chambre. Ici aussi, il y a une chambre. Les chambres sont très belles. Les chambres sont très belles et très grandes. Ici, c'est la ménagère qui dort ici. Donc, je pense qu'elle est aussi sortie pour aller faire des trucs là. Donc, je vais vite sortir. Et en haut, c'est moi et ma manager. Donc, on va aller en haut. Voilà le petit salon. Voilà. On va monter. Voilà. On va continuer. Nous sommes en haut maintenant. Il y a 3 niveaux en passant. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Au deuxième niveau, c'est aussi grand que le premier. La maison est encore toute neuve. Je suis la première personne à l'occuper. Voilà ma chambre là-bas avec mon balcon. Voici une autre chambre. Et voilà une autre chambre. Il y a plusieurs chambres. OK. Dans cette chambre-ci, voilà. On va faire les lits d'ici peu. Voilà la douche. Voilà. Et on va aller du côté de ma chambre. Il y a un bazar. Hein? Voilà. Au fait, je cherchais Vicky. Elle est en train de faire les lits, donc elle a dû s'excuser un instant. Voici ma chambre. Quand on entre, ce sont d'abord mes chaussures que Vicky a bien installées. Ensuite, j'ai mon placard là, rempli de vêtements. D'autres sont partis au pressing, donc on va les attendre. Elle a bien organisé tout, tout. Il y a aussi des lumières. Hein? J'allume. Là, c'est mon lit où je dors avec ce truc-là, même comme je n'utilise pas parce qu'il y a déjà une clim et tout. Ici, c'est ma douche. Et ici, c'est la sortie. Une fois de plus, il y a aussi une chambre ici qui n'est pas finie. Je vais vous montrer. Ouais. En fait, la maison est toute neuve, comme je vous ai dit. Donc, ils n'ont même pas encore décoré et tout. Bon, c'est parce que je venais qu'on a fait le peu qu'on a fait et tout. Donc, la personne qui a la maison, je connais très bien la personne. Et voilà. Maintenant, la personne ne m'a pas payé pour la publicité. Maintenant, on va au rooftop. J'avais juste envie de vous montrer où je suis en train de loger. Ça, c'est le rooftop. Les Béninois aiment le rooftop. Hein? Marou. Donc, quand vous arrivez au rooftop, c'est la partie la plus jolie de la maison. Il y a d'abord un joli barbecue là. Et je suis à Fidrosset. Regardez la vue. Regardez la mer de l'autre côté. Et ensuite, il y a tout ceci. Un endroit où vous asseoir, avoir du cocktail, il y a un frigo, il y a tout, 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 c'est trop beau. Il y a de l'air fraîche, ah, je dois respirer ça. Il y a des terrains vides, le terrain qui est en face de nous, là, j'ai demandé, hein. Si je vous dis le prix, vous n'allez pas croire, 65 millions, le petit terrain là où c'est 300 mètres carrés, celui-là, là-bas, là, le petit là. 35 millions. Le petit truc là. J'ai dit à Dama, pardon, attendez, je cherche encore l'argent. Mais voici le rooftop. C'est très beau. J'adore. Monter les escaliers là, vraiment, il faut que j'aille faire le sport. Hein. Aïe! Les reines, je me suis arrêtée au rooftop. Qui va encore descendre? Ah, please. Bref, c'était juste pour vous dire, mes reines, je suis là, je suis vivante, bel et bien, je travaille. Je travaille sur Bell Secret, je travaille sur la Queen's Academy, je travaille sur Bell Universe. J'aide les femmes à se réaliser. J'ai beaucoup de reines qui sont en train de réaliser leurs projets, d'autres qui sont en train de créer leurs produits. Je suis en train de aider 2 reines à créer leurs produits gamme capillaire, 3 reines à créer des produits cosmétiques. Il y a une autre qui est en train de créer des vêtements. Donc, dans l'académie, il y a beaucoup de reines qui sont en train de se réaliser et je suis juste
au travail. Je suis juste au travail. Et nous sommes de plus en plus nombreuses dans l'académie. Donc, nous sommes déjà plus de 3000 personnes. Si tu n'es pas encore inscrite, n'hésite pas. Je pense que c'est fermé en ce moment, mais n'hésite pas parce que vraiment, c'est une plateforme riche en informations, riche en réalisations, riche en tout ce que tu peux imaginer. Juste parce que je vends le cosmétique ou les produits de cheveux ne veut pas dire que je ne peux pas aider d'autres personnes à vendre la même chose. Hein. Je vous ai toujours dit, il n'y aura jamais deux personnes comme vous. Donc, dans ma tête, je ne vois pas de compétition. Chacune a son étoile, chacune brille où elle est supposée briller, chacune vend, chacun a ses clientes et tout. Donc, tous ceux qui sont en compétition, là, moi, je ne comprends pas comment ils font souvent parce que vraiment, on ne devrait pas. Tu te concentres sur toi, tu vends ta chose et tu aides les gens que tu peux aider et tu accumules tes bénédictions et tu avances dans la lumière et tu continues à prier. Bon, bref, les reines sont en train de se réaliser. Je suis très fière d'elles. On a eu un cours hier dans l'académie. J'ai demandé à mes reines de faire leur bilan de l'année. Il est temps de faire le bilan. Donc, si tu es dans l'académie, sûrement, tu sais de quoi est-ce que je parle. Si tu n'es pas dans l'académie, viens nous rejoindre. Bon, voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous aime YouTube. Donnez-moi le temps. Je suis très occupée en ce moment. J'ai beaucoup de projets que je suis en train de réaliser et tout. Je suis au Bénin. Il y a beaucoup de projets. Je ne peux pas tout vous dire ici sur YouTube. Si vous allez à l'académie, vous connaissez déjà les projets et ce que je suis réellement venue faire ici. Si vous n'êtes pas dans l'académie, bah, vous ne connaissez pas. Et ici, je ne peux pas vous dire parce que, bah, voilà. Il y a les sorciers sur Internet. Il y a des gens qui vont prier que tes projets ne fonctionnent pas. Donc, faut juste apprendre à fermer les bouches. C'est tout. Donc, je travaille sur beaucoup de projets, que ce soit ici, Abidjan, Cameroun, USA. Trop, trop, trop de projets. Par la grâce de Dieu, j'ai été bénie avec la santé. J'ai été bénie avec assez de moyens pour faire les choses que je suis supposée faire. J'ai été bénie avec assez de connaissances pour partager avec d'autres personnes et les aider aussi à se réaliser. C'est le plus important d'ailleurs. Donc, I'm just being me and being busy. Mais je vous promets, I'm coming back. And when I come back, the internet is gonna be boom. You know? Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Passez une bonne journée. J'attrape mon téléphone comme ça. Je vous embrasse, je vous aime. On se dit à la prochaine. Sous les commentaires, dites-moi quelle vidéo vous aimeriez voir prochainement. Sinon, je vais continuer à vous faire attendre et faire les vidéos quand je peux. Hein. I know. I have lovers and haters. Nevertheless, I love you all.